consulter dans cette session d'information, célébration de la Journée mondiale du cancer de l'enfant. Les détails, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, il est 19h30, heure de la principale édition d'information sur Charisma TV. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant ce 15 février. Le lancement a été fait depuis 2002 avec pour objectif informer le grand public sur la sensibilisation de cette pathologie. Les précisions avec Désiré Mbieningon. Le 15 février de chaque année est dédié au cancer des enfants. La Journée internationale du cancer de l'enfant dans le monde et en Afrique. 100% des enfants diagnostiqués sont dans les pays occidentaux. 15 à 20% des enfants en Afrique francophone subsaharienne. 20% des enfants sont guéris en Afrique francophone subsaharienne. En effet, cette journée vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir ses actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. 5 cancers sont principalement concernés. Il s'agit des leucémies aiguës lymphoblastiques, rétinoblastome, néphroblastome, lymphome de Burkitt, lymphome de Hodgkin. Une mise en place d'un registre permettra certainement de mieux caractériser la population des patients, évaluer les problématiques que rencontrent les familles et les équipes, améliorer la recherche clinique et les protocoles de traitement des cancers. Elle permettra d'inciter les différents spécialistes impliqués dans la prise en charge du cancer à mieux coordonner leurs efforts et de définir pays par pays des protocoles de prise en charge quotidienne. Aujourd'hui, 22 unités d'oncologie pédiatrique ont été créées dans 18 pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Algérie, Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée-Conakry, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Sénégal, Togo, et la Tunisie. Plus de 450 personnes ont bénéficié de formation. Plus de 11 000 enfants ont été soignés. Chaque jour, chaque geste compte dans le traitement d'un enfant atteint du cancer. Tous ensemble, luttons contre le cancer des enfants. L'actualité, c'est aussi le séjour du Premier ministre Rose Christiane Osuka-Raponda durant la période du 13 février au Libéria, où elle a pris part à la cérémonie officielle de célébration du bicentenaire de ce pays pour représenter le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Cérémonie de lancement officiel des célébrations du bicentenaire du Libéria. Le Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osuka-Raponda a pris une part active à ces festivités où elle a représenté le président de la République Ali Bongo Ondimba. L'événement sera célébré tout au long de l'année jusqu'au 10 décembre 2022. La commémoration du 260e anniversaire du Libéria a pour objectif de renforcer la riche relation historique entre les États-Unis et le Libéria qui remonte aux années 1800. Un événement d'envergure qui a pour thème Libéria, la terre du retour, commémoration de 200 ans de liberté et de leadership panafricain. Les liens entre le Gabon et le Libéria sont fraternels et indéfectibles. À l'avenir, Libreville et Monrovia entendent les renforcer encore plus en stimulant la coopération dans plusieurs secteurs d'activité, conformément à la volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de son homologue Georges Manirea. Les deux leaders africains partagent des valeurs de paix, d'unité et de solidarité. En marge de la cérémonie de lancement officiel des célébrations du bicentenaire du Libéria, Rose Christiane Osuka-Raponda, Premier ministre, a été reçue en audience par le président de la République, Georges Manirea. Lors de cette entrevue, le Premier ministre a transmis au numéro 1 libérien un message personnel de la part de son homologue Ali Bongo Ondimba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a regagné Libreville ce lundi 14 février. Sur un tout autre plan, l'entretien de chevaux est une activité qui demande beaucoup d'énergie et de moyens financiers, surtout de l'affection pour ces animaux. Les précisions dans ce reportage mis en image par Hugues Nzundu. L'entretien des animaux n'a pas souvent été chose aisée, dans la mesure où plusieurs éléments rentrent en ligne de compte, notamment la connaissance typique des animaux sur toutes ses formes. À cela s'ajoute la restauration qui répond à un certain nombre de leur régime alimentaire. Et pour en savoir un peu plus, notre équipe de reporters s'est déportée au ranch d'Iaï, où les chevaux sont entretenus par des spécialistes en la matière. Les donner les pommes, les manger aussi les carottes avec la peine. Après encore,
enfants le matin, 6h30, ils venaient pour donner la bouffe, les granulés. Après 7h30, ils venaient dehors. Avec des aliments qu'on achète souvent à la semaine. Des céréales transformées avec des... un peu de l'énergie, quoi. On allait manger le lait là. Après, comme ça, 10h, 10h moins 10h30 ou 11h, les commencer pour mettre dans les box pour rentrer. Comme ça, les rentrer. Après, les manger la lait dans les box, les boileaux, tous les box, il y a les robinets, le robin automatique. Les boileaux, sel. Il n'y a pas trop de clients. On laisse les chauves là, c'est reposé. Il y a certains qui ont travaillé, on les laisse reposer. Parce que si tout le temps il faut les faire travailler, ça va parler en fait. Il est à noter que la complicité et le dialogue entre l'homme et les animaux sont de mise, partant de leur entretien qui consiste à les nourrir, les nettoyer et brosser leur crinière ainsi que leur queue avec du peigne, sans omettre la reconnaissance de leurs humeurs. S'ils sont tristes, leur aspect physique le démontre, par la tête baissée, au point qu'elle ne soit pas plus haute que son garrot, avoir les oreilles tombantes et le regard inexpressif, rester impassible aux divers stimulus, développer des tics, fuir ses congénères, rester dans un coin de son box, manger moins, tandis que s'il vous aime, la position de la tête du cheval est également un moyen pour savoir son humeur. Si l'animal baisse légèrement sa tête et son cou, en votre présence, cela signifie qu'il apprécie le moment partagé avec vous. S'il est heureux, votre cheval n'est pas agressif. Il est serein et heureux ensemble, se couche pour dormir. S'il a un ami avec lequel se gratter et se masser, retenons à toute fin utile que l'entretien des chevaux nécessite d'énormes moyens financiers, du temps. En religion, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aurais béni. C'est le thème abordé au cours de la deuxième veillée de l'église porte ouverte internationale située au quartier Alibondeng, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, les temps forts avec Hugo Nzundo. Déchaînés dans la prière pour en découdre avec les forces hostiles, les fidèles de l'église porte ouverte internationale située au quartier Alibondeng, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, ont massivement répondu présent au deuxième rendez-vous de veillée de prière placé sous le thème général « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'es béni », chapeauté par son leader, prophète Joël Fila et toute son équipe. Au cours de cette rencontre, les oratrices se sont succédées sur l'estrade et la responsabilité a été donnée à l'apôtre Darlene d'entretenir l'assistance sur la nécessité de ne pas oublier son identité. L'histoire de Naomi et Ruth est une parfaite illustration. Naomi n'avait pas conscience qu'elle était revenue avec quelque chose qui pouvait changer à jamais le cours de sa vie. Elle était grasse, mais elle avait oublié son identité. C'est pourquoi à l'instant j'étais en train de dire, n'oublie pas, en cette année, qu'importe l'adversité qui se lèvera, n'oublie pas que tu as été adopté, n'oublie pas que tu as obtenu un rang. Naomi avait oublié son identité, et lorsqu'elle a réinvé son identité à cause de l'adversité, elle dit ne m'appelez plus Naomi, ne m'appelez plus la grâce, ne m'appelez plus la bénédiction, mais appelez-moi Mara, parce que j'ai tout perdu, parce que je suis dans l'amertume. Je veux dire à quelqu'un, qu'importe l'adversité, en cette année, refuse d'oublier ton identité. Quelquefois dépositaire de la grâce de Dieu, mais les circonstances ont souvent tendance à nous faire oublier l'essentiel. C'est face à cette dure réalité que nous devrions chercher la révélation du Seigneur en nous appuyant sur sa parole, a-t-elle martelé. À cause de ce rang que l'Éternel me donne, oh, je suis héritière, je suis co-héritière, je ne suis plus esclave de la peur. Et c'est cela que Ruth avait dans son esprit. Comme le disait tout à l'heure la servante de Dieu, certainement qu'elle avait vu les vestiges du passé, parce que même la femme qui était censée être convaincue de son identité n'en était plus sûre. Mais certainement par révélation, mais certainement poussée par l'Esprit de Dieu, elle va dire ton Dieu c'est mon Dieu, et là où tu meurs, je meurs avec toi. Des moments bénis qui n'ont pas laissé les participants indifférents à l'action du Saint-Esprit. Au sortir de cette rencontre, les fidèles ont tenu également à rappeler l'action de Dieu dans leur vie pour témoigner de ses bienfaits. Nous les écoutons une fois de plus face à la caméra de Hugues Nzundo. Je viens comme ça vous parler de ce programme de veillée, de prière que nous avons commencé vendredi dernier, qui s'étend sur 2 mois sous le thème de « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni ». Nous avons commencé vendredi dernier, nous avons passé des moments forts, enrichissants, dans les enseignements, dans la délivrance,
Nous avons reçu plein de bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour. J'aimerais que le Seigneur touche encore un peu plus chaque domaine de ma vie. J'aimerais qu'il impacte encore, plus de lui dans ma vie. Plus de lui, plus de discernement, plus de sa parole. Et voilà pourquoi je viens à cet temps, parce que je sais que le Seigneur me régénère. À chaque fois, il me renouvelle. Et je peux voir les fruits. Je peux voir les fruits de ce que le Seigneur fait dans ma vie professionnelle. Le Seigneur m'a visité de manière particulière et cette semaine a été une semaine richement bénie pour moi. Et je peux dire à quelqu'un de venir vraiment pour ces temps, parce que j'ai été restaurée totalement, complètement. J'ai été visitée de manière particulière. J'attendais quelque chose de l'Éternel et je l'ai reçu. Moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, je rends grâce à Dieu parce que vraiment, la première veillée m'a vraiment fait du bon. Dieu m'a donné un nouveau nom, grâce. Donc, depuis le jour-là, je me sens fort. Et les combats que j'ai reçus depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je ressens que j'ai une force. Place à présent l'actualité hors de nos frontières pour parler cette fois-ci de la sécheresse, mais aussi des inondations et famines qui sévissent dans le continent. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les Nations Unies, d'ici 2030, plus de 100 millions de personnes vivant sur le continent africain seront touchées par le réchauffement planétaire. Sécheresse, inondations, fonte des rares glaciers dans un avenir proche, les événements climatiques extrêmes accentuent l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Le climat sera l'un des enjeux du sommet entre l'Union africaine et l'Europe. On estime que les effets dévastateurs du changement climatique feront augmenter de plus de 50% le PIB du continent d'ici à 2030. Il s'agit là d'une pilule amère à avaler, étant donné que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, souligne l'ONU. Les phénomènes climatiques extrêmes menacent la production agricole et l'accès à l'eau. Ces tensions pourraient entraîner le déplacement de 86 millions de personnes d'ici 2050. Pour l'Union européenne, l'enjeu est climatique, mais c'est aussi une question de justice sociale. Les pays industrialisés polluent beaucoup plus, mais le continent africain souffre beaucoup plus. Nous devons donc tout rythmer sur une nouvelle compréhension de la justice et de la coopération. Nous ne devons pas oublier que les émissions de CO2 par habitant en Afrique seront les plus faibles, alors que la production d'émissions de CO2 par habitant sur le globe est la plus élevée en Europe, aux États-Unis et en Asie. Toutefois, tous les pays africains ne sont pas prêts à renoncer dans l'immédiat à la manne financière engendrée par les importantes réserves d'énergie fossile présentes sur le continent. Le sommet UE-Afrique se déroulera le jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. À l'étranger, nous y restons dans un état affaibli où la communication n'est pas de mise, sinon autorisée. Les réseaux sociaux véhiculent les informations. Les précisions une fois de plus avec nos confrères d'Africa News. Le Sahel, région en proie à l'instabilité politique et sécuritaire, est devenu un terrain propice à la circulation des fake news. La redistribution des cartes sur le plan diplomatique renforce la tendance. On avait à un moment donné connu une accalmie dans la fabrication et la circulation des fake news. Mais avec les nouveaux enjeux géostratégiques, notamment les situations difficiles entre le Mali et ses anciens partenaires et la probable arrivée du groupe Wagner russe, il y a beaucoup de fake news qui circulent aujourd'hui. Une désinformation alimentée par la crise entre la junte au pouvoir au Mali et la CDAO, mais aussi entre Bamako et Paris. D'anciennes vidéos comme celle-ci sont recyclées pour illustrer la colère supposée des populations ouest-africaines face aux sanctions prises par la CDAO contre le Mali. Cette vidéo a circulé sur les groupes WhatsApp au Mali, des pages Facebook maliens, montrant des manifestations au Burkina qui soutenaient les sanctions contre la CDAO. C'est une vidéo qui date de 2014. Et c'est une manifestation qui s'est réellement passée au Burkina, mais c'était les manifestations qui ont conduit à la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc ces vidéos n'ont rien à voir avec des manifestations qui ont eu lieu en janvier 2022. Des vidéos qui reprennent les normes des médias internationaux et sont souvent bien élaborées afin de passer comme lettre à la poste. Une désinformation volontaire qui a pour principal thème ces dernières semaines la crise supposée entre l'Union européenne et le Mali. Pensez-vous qu'il aime le Mali?
Tu vois maintenant, les auteurs de fake news sont tellement maintenant sophistiqués, ils font des vidéos où si on ne connaît rien, on pense que c'est vraiment authentique. Des images qui dénoncent la présence française au Mali et font l'apologie d'une intervention de la Russie. Photos détournées, vidéos hors contexte, la désinformation n'est pas sans conséquence. C'est surtout l'utilisateur des réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook, où justement il y a une opinion qui est en train de se forger sur la base de ces informations-là, qui sont très souvent en décalage avec la réalité ou souvent qui consiste à déformer les faits pour donner une certaine orientation. Le second aspect qui est beaucoup plus sournois et qui est beaucoup plus dangereux, c'est aujourd'hui la diffusion de ces informations-là via des réseaux comme WhatsApp, qui a une forte pénétration au niveau des populations rurales, qui ont une faible capacité de vérification de l'information. C'est très dangereux parce qu'on pourrait se retrouver dans des situations regrettables où des personnes sont prises à partie, où des personnes sont lynchées sur la base d'informations qui ne sont tout simplement pas vraies. Fin 2020, Facebook avait supprimé 3 réseaux de trolls gérés depuis la Russie et la France sur l'actualité africaine. De retour à Libreville, place à présent à votre rubrique micro-trottoir. Voici la question qui vous a été posée par amour. Pouvez-vous quitter votre religion pour aller à celle de votre partenaire? Écoutons les avis des uns des autres au micro de Lordine Oyane face à la caméra de Hugues Nzoudou. Je suis convaincu que l'enfer existe parce que la justice, à cause de la justice. Tu vois, non, être convaincu de tout ça. Une femme ne peut pas venir te déboulonner de tout ça lorsque tu es... Tu es véritablement convaincu. Je reste dans cette conviction. Une femme ne peut pas m'enlever ça. C'est moi le père du foyer, le responsable du foyer. C'est moi qui a composé mon foyer. C'est moi qui organise mon foyer. C'est moi qui gère mon foyer. Elle a droit de me suivre comme elle est quittée de son père, de chez son père et sa mère pour me suivre, pour venir dans mon foyer. Elle est venue me rejoindre pour rester avec moi, pour qu'on forme le couple et on devient un. Et tous nous deux, on doit suivre une religion. Et la religion, c'est la religion qu'elle est venue trouver chez moi. C'est simple que ça. Je ne peux pas changer ma foi. Je tiens à ce que j'ai. Parce que je suis chrétien, je reste chrétien. Je ne peux pas changer et transformer ma foi parce que je vais suivre la femme. Non. On ne peut pas aller seulement parce que je vais suivre la femme. Vous voyez? Nous sommes dans un pays libre, vraiment démocratique, peut-être entre griffes. Voilà, chacun a sa préférence religieuse, quitte à celui à chaque personne de dire, bon, moi je vais suivre ma femme, bien ma femme va me suivre, tout simplement. Nous sommes dans un pays libre. Si vous voulez aller vers la religion de votre femme, vous y allez. Également, si elle veut faire pareil. Mais si elle vous oblige. Je ne pense pas que... Bon, si elle m'y oblige, je ne pense pas que je vais y aller, je vais adhérer à sa religion, c'est pas possible. Le débat se poursuit dans vos ménages. Mesdames et messieurs, vous rappelez que dans cette session d'information, nous avons parlé de la célébration de la journée mondiale du cancer de l'enfant. Vous avez vu les détails ici avec Désiré Ambiénigon. Vous rappelez également l'équipe qui m'accompagnait était composée à la réalisation de l'incontournable One NBA qui était assisté au montage Gretogou Matiegui. L'autre chargé, sinon, de l'actualité, rédactrice en chef, Lordine Oyane, chef d'édition, Désiré Mbieningol, sans oublier notre cadreur maison, Hugues Nzoudou, assisté des Majoris. Merci à vous également pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On se donne rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. We'll be right back.